What's up tout le monde, c'est Chris, aujourd'hui on se retrouve pour les breaking news à propos du jeu GTA 5, excusez-moi un peu de ce retard là parce qu'en fait j'ai fêté mes 18 ans et forcément j'étais pas trop actif ces 3-4 derniers jours à laquelle j'ai fait autre chose, hein. J'avais d'autres choses un peu prévues et j'ai un peu mis quand même un peu ma chaîne de côté malheureusement, mais bon j'ai eu du matériel ce qui me fait plaisir, alors plus du matériel électronique qui va me permettre en fait d'être beaucoup plus performant au niveau de ma chaîne. Par exemple j'ai eu une tablette tactile qui est la Samsung Galaxy, la Tab 3, parce que si vous voulez, quand je vais en cours, tout ça, en fait, j'ai environ 1 heure, voire 1 heure et demie de trajet, et en fait, je fous quasiment rien. Alors, travailler avec son iPhone, c'est peut-être pas le top. J'ai eu aussi, donc, pour vous dire, hein, il y en a peut-être qui s'en foutent, un smartphone, en tout cas, avec, je crois que c'est sous version Windows, donc un Nokia, vous savez, c'est les Lumia ou un truc comme ça. Donc, ce qui va me permettre, en fait, d'être beaucoup plus performant au niveau de ma chaîne YouTube, et voilà. C'est plutôt un bon petit plus à laquelle je peux vous dire en tout cas. Alors aujourd'hui je vais donc vous parler de nouveaux véhicules, enfin ça va être plutôt un DLC, je vous en avais déjà parlé, il y a encore des sortes de rumeurs supplémentaires dessus et à laquelle on peut se dire que quand même Rockstar ont un peu répondu à cette question là, parce qu'ils ont dit que le nouveau DLC lorsqu'il portera des véhicules, eh bien il ne comprendra pas des catégories existantes, c'est à dire des marques qui existent en ce moment même. Donc on va commencer un peu à en discuter. Donc les 3 véhicules qu'on en parle, c'est la Huntley, la Massacro et je crois que c'est la Zentorno ou un truc comme ça, ça se prononce, qui sont bien sûr n'ont pas la même catégorie. Donc c'est à dire qu'en fait vous avez un véhicule qui ressemble plus à une Lamborghini, l'Huntley qui est l'Huntley, si vous voulez, c'est le 4x4, le fameux 4x4 qu'on retrouve beaucoup aussi dans GTA 4, qui nous sert vraiment pratiquement à rien, hein. C'est vrai que c'est un véhicule, franchement, pour le peu de choses, enfin bref, on peut dire tout terrain, mais bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est plus les véhicules sportifs, ainsi qu'une Aston Martin. Donc ça, je suis en train de vous faire une sorte de comparaison entre les jeux, entre les véhicules plutôt du jeu, qui vont sortir dans ce DLC-là, avec les véhicules qu'on retrouve aujourd'hui, hein, parce que bien sûr, ce sont des représentations de véhicules déjà existantes, un peu modifiées parce qu'ils n'ont pas le droit de mettre exactement le même véhicule en lui-même. Donc il y aura 3 nouveaux véhicules, donc une sorte de Lamborghini comme je l'ai dit, la Huntley, une Aston Martin, et à laquelle pour l'instant on n'est pas forcément sûr de ça, donc ce sont encore bien sûr des rumeurs, et ce qu'il faut savoir aussi c'est que forcément on va se toucher avec des véhicules beaucoup plus réalistes, et normalement ça devrait être des produits, par exemple la Lamborghini, ça va pas être une ancienne Lamborghini, ça devrait être une Lamborghini plutôt récente, c'est-à-dire de 2013 ou voire 2014. Donc je vais vous faire afficher quelques images. Alors pour l'instant on n'a pas encore de nom exact, mais c'est vrai que ça risque de venir très prochainement, très rapidement avec tout ça. Donc pour l'instant on a 2 voitures super, on va dire des sportives, ainsi qu'avec un 4x4. Alors pour vous dire aussi un autre petit truc, j'ai aussi pu remarquer par exemple avec tous les gros DLC qu'on a pu avoir avec des véhicules qui ont été présentés. Je vais pas vous dire aussi par exemple c'était pour la Saint-Valentin, je vais pas vous dire ce patch là, enfin cette mise à jour là, et puis par exemple du Beach Bum ou à laquelle on a eu des véhicules avec un bateau, aussi le DLC Business, on a pu avoir un avion aussi, et on se pose la question, finalement on a eu un DLC avec un bateau, un DLC avec un avion, est-ce que le futur DLC aura un véhicule spécial entre guillemets, c'est-à-dire est-ce que ça sera par exemple, ça pourrait être vachement cool, il y a des rumeurs comme quoi ça pourrait être un hydravion, c'est-à-dire on remplace un Huntley ou un de ces 3 véhicules là par un hydravion, ou voire par un hélicoptère, parce qu'on a l'impression qu'ils mettent un peu des terrains, un véhicule très différent l'un à l'autre, plutôt particulier dans chaque DLC, par exemple un bateau, un avion, et puis là prochainement, est-ce que ça peut être par exemple un hydravion, ça se rapproche bien, c'est un avion quoi, mais voilà, à laquelle il peut faire des amérissages, ou alors est-ce que ça peut être carrément un hélicoptère, voilà, donc ça peut être un peu toutes les choses là-dessus, pour l'instant c'est les toutes dernières choses, à laquelle on peut avoir des petites infos sur le tout dernier DLC. À mon avis ça risque d'être sûr à 90% que ça va être sur ces 3 véhicules là, en tout cas avec un véhicule spécial aussi qui sera rajouté, hein, bien sûr, soit un hydravion, un hélicoptère ou un truc comme ça qui va vraiment voilà, donner du piment un peu à ce futur DLC. Et bien sûr on attend ce gros DLC qui va être sur le braquage, tout ça. qui arrivera un jour, hein. Ça c'est sûr, ça fera plaisir quand même, le jour où il arrivera, putain, je pense qu'on sera tous, oh putain il arrive enfin quoi. Voilà, merci à vous tous les gens, merci aussi au passage sur Facebook de m'avoir souhaité aussi, beaucoup de gens m'ont souhaité un joyeux anniversaire, tout ça, et puis voilà, merci encore à tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir, surtout de me suivre sur ma page Facebook personnelle, et puis on se retrouve la semaine prochaine normalement pour pas mal de vidéos, puisque bah maintenant j'ai, on va dire, j'ai pu m'acquérir, on va dire, des appareils électroniques qui vont me permettre en fait d'être beaucoup plus actif en fait, efficace en fait, bah, au niveau de mes vidéos à laquelle bah, j'ai du mal, je vous ai expliqué pour plein de raisons différentes, bah, de vous produire des vidéos des fois. Voilà, je vous dis à la prochaine, ciao.